Les regards vont être beaucoup braqués sur lui aujourd'hui. Il est sur une impressionnante série de 3 buts en 3 matchs. La suite du programme dans un court instant sur eSports. Salut à toutes et tous, bienvenue ici à Grenade avec des conditions en météo parfaites pour cette rencontre qui nous attend. C'est Hervé Matou bien sûr, vous vous en doutiez un petit peu. Alors place au championnat espagnol aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander. Grenade face au Real Madrid. J'espère qu'on va vivre une belle rencontre. En tout cas, moi je suis prêt. Voilà, ça va être intéressant de voir le ralenti parce que le hors-jeu ne paraît pas évident du tout. Attendez, petit crochet par San Sebastian. On me dit qu'il y aurait eu un but à l'Estadio de Anoeta. Oui, il s'agit du premier but en faveur de Valence. Un but à zéro donc, alors que nous en sommes à 3 minutes de jeu dans ce match. Ok, c'est bien noté, merci beaucoup. Ah, il a mis de l'intensité dans son geste défensif et ça lui a permis de récupérer le ballon. Bon, il passe. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Ah, le défi sera de marquer face à la meilleure défense. Alors, derrière, c'est du solide, on le sait. On l'a constaté à plusieurs reprises. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Il a été sur la trajectoire, Casemiro, il a récupéré. Oh, il a enrhumé le défenseur. Toi, attention, c'est pas terminé. Et le but, le premier but dans cette rencontre. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Eden Hazard qui progresse. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ah, il dépossède son adversaire du ballon. Oh, il est passé. Ouais, très très beau geste défensif. Oula, c'est pas bien joué ça derrière. Ce sera un corner, l'occasion pour cette équipe d'accentuer son avance. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais, sortie du gardien, tranquille. Rendu à l'adversaire par le ballon, bien capté par Courtois. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Dorian Grilic. Attention à ce ballon récupéré là très haut. La bonne anticipation de Courtois. Ouais, il a dribblé, magnifique. Courtois, attention, il l'a repoussé, c'est pas fini. Oh, le beau geste défensif. Bien joué dans l'intervalle, Toni Kroos, c'est bien vu. Hein. Oh oui, le but! Oh, la réaction du Real qui égalise! Un but partout, les deux équipes dos à dos. Encore un but. Et cette fois, l'équipe est en train de prendre le large. Et 2-1 donc maintenant. Il a été sur la trajectoire, Casemiro, il a récupéré. Oh, bien défendu. Grilic. Marcelo qui s'interpose sur cette intervention.
Benzema. La bonne intervention du gardien qui dévie ce ballon au-dessus de sa barre. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. La fin des 45 premières minutes. Oh, il a enrhumé le défenseur. Courtois, attention, c'est pas terminé. Le match qui reprend avec donc cet avantage pour le Real Madrid pour l'instant. Il n'y a personne pour gêner Asensio. Mais non, dommage, ça va s'arrêter là. Alors ça joue en ce moment à San Sebastian et un but, semble-t-il, a été inscrit à Anoeta. Oui, Hervé, avec le deuxième but pour Valence. Un but marqué par Maxi Gomez suite à ce qu'il faut bien appeler une erreur défensive. On en est donc à 2-1, alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. Ok, c'est bien noté, merci beaucoup. C'est Olivier en touche. Nous avons rendez-vous avec la Liga Santander pour cette rencontre. Grenade affrontera l'Athletic Bilbao à l'extérieur. Bon, j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, je vous ai tout dit, ça vaudra le déplacement. Modric qui intercepte. Avantage pour le Real Madrid, ça joue. Oh, la faute, l'attaque qui a été stoppée par cette grosse faute. Et ça ne m'étonnerait pas que l'arbitre sorte un jaune. On assiste à vraiment un regroupement défensif, hein. C'est très net. Okay, en contact. Ouais, on a cru qu'il pouvait marquer, mais c'est une sortie de but au final. Génial, hein, les stats de possession du ballon pour l'équipe visiteuse. Les statistiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. Cette équipe mène au score. Elle va peut-être gérer son avance maintenant. Il porte le ballon. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Oh, l'excellent tacle dans la surface de réparation en plus. Attention, il peut centrer là. Karim Benzema. Oh, le bel arrêt. Ouais, magnifique. Bien joué le gardien. Le rendez-vous hein, qui va vous être proposé. Ce match à ne pas manquer. Si vous avez l'habitude de nous regarder, c'est que vous aimez ce genre de confrontation. Toi, attention, c'est pas terminé. Oh, en deux temps. Magnifique intervention. C'était chaud. Hein. Première intervention. Et finalement, ce ballon qui est capté. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Attendez, petit crochet par San Sebastian. On me dit qu'il y aurait eu un but à l'Estadio de Anoeta. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de la Real Sociedad. Un but signé David Silva à la suite d'une erreur défensive. Au total, ça fait donc... Oh, le pénalty. Pénalty pour le Real Madrid, sifflé à l'instant par l'arbitre. Et il trompe le gardien sur ce pénalty. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Mais non, cette action ne donnera rien. Oh, il y va tout seul, il y va tout seul. Et but du Real Madrid. Ce ballon perdu. Il ne reste que quelques minutes. Il y a garde de suspense. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Ah, tentative de jouer ce ballon en finesse. Mais là, c'est complètement raté. J'imagine que c'était pas l'intention. Perdu par Eden Hazard. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Florian Grilic. Ballon en profondeur. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré.
un changement. Il va céder sa place. Je rappelle qu'il a pris un carton jaune tout à l'heure. On ne prend pas de risque du côté de l'entraîneur. Toni Kroos qui perd ce ballon. Oui, bien joué, récupère la balle pour son équipe. Benz, il s'est ouvert le chemin du but. Ouais, bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. Un corner qui est joué en deux temps. Eden Hazard qui centre. Ouais, c'est bien défendu. Casemiro qui perd finalement ce ballon. L'arbitre qui siffle à l'instant même.